tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou qu'elles se passent très bien pour ceux dont ce n'est pas terminé. La rentrée approche à grands pas, du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter quelques nouveautés sur ma chaîne YouTube. J'aimerais vous dire plutôt que j'ai passé mon été à bronzer au bord d'une plage dont l'eau est cristalline, mais c'est pas le cas. J'ai pas mal bossé pendant ces longs mois d'été et à mon avis c'est assez bénéfique pour la chaîne car on va repartir du bon pied. Entre stages, création d'entreprise et les projets de toutes sortes, ce ne fut pas facile d'accorder du temps pour les parenthèses à vapeur. Néanmoins, je ne me voyais pas repartir sur la même base car cela ne me convient plus. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis ses débuts, vous avez remarqué que j'avais pris un petit rythme d'une vidéo par semaine qui tombait pile poil tous les jeudis comme par magie. Je parlais de plein de sujets plus ou moins intéressants et ça ressemblait à s'y méprendre à des petits exposés tout mignons, tout gentils. Et pour tout vous dire, premièrement, c'était très court comme laps de temps pour créer une vidéo de qualité. Entre les recherches, l'animation et l'audio, c'est énorme comme boulot pour très peu de temps de conception. Sans compter bien sûr les études à côté, le contenu était dès lors souvent, voire très souvent bâclé et je trouve ça dommage. Deuxièmement, je ne m'y reconnais plus, tout simplement. En arrivant sur YouTube, j'avais une image bien précise de ce que je voulais faire et finalement, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ce que j'ai produit depuis. En clair, je voulais avoir un contenu beaucoup plus libre dans la création et sans limite de temps. Ce n'est pas du tout le cas, donc je repars de zéro tout simplement. De ce fait, oubliez les mini exposés tout mignons, tout gentils. Pour les prochaines vidéos, je vais partir sur une narration entre fiction et réalité. Je vais aborder des thèmes et des événements réels pour les mélanger avec mon imagination. L'idée étant d'aborder l'histoire sans se concentrer sur le véridique, d'explorer ce que cache Internet, mais surtout de tout réinventer comme lors d'une uchronie. Finalement, mon travail sera entre Occam Razor et Axolot, pour ceux qui connaissent ces deux youtubeurs talentueux. J'aimerais vous faire participer à cette aventure. Vous pouvez me proposer des histoires que je raconterai, vous pouvez choisir les prochaines thématiques et... pour tout vous dire, je rêve d'une chaîne participative, d'où vous avez la parole. Mais je ne sais pas encore comment je vais faire ça, ça me trotte dans la tête depuis un moment. Je vais trouver un moyen pour que vous soyez le cœur principal de cette chaîne et si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneuse. Pour terminer, il n'y aura plus aucune limite de temps. Voilà, rien de plus, rien de moins. Dorénavant, je mise sur la qualité plus que sur la quantité. Fin de l'histoire. Bon, je pense avoir tout dit, alors je vous laisse avec cette petite conception de personnage. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.